Eh ben, c'est rigolo, toutes ces vieilles photos. Tiens, c'est qui sur celle-là? Mes copines de fac, Amélie, Nolwenn et Claire. T'as vu? T'es aussi sur la photo. C'est chouette, ces souvenirs. Je viens de me rendre compte que je n'en ai aucune de Richard. C'est dommage. Ben oui, d'autant plus qu'il fait carrément partie de notre vie maintenant, non? Salut. Salut. T'es prête? Oui. Tu m'attends une seconde? Je vais chercher mon sac. D'accord. Je me dépêche, hein. Là, c'est Lou à 6 mois. Elle faisait ses dents. La pauvre. Ça lui provoquait de monstrueuses éruptions de boutons sur les fesses. Regarde-moi cet eczéma. Oh non! Louloute? Allez, sors de là, quoi! Vous parlez vraiment à cette grosse caisse, là? Quoi? Mais non, d'abord c'est une malle, et ensuite je parle à Lou. Elle se planque toujours là-dedans quand elle a un souci. Ah, bah c'est tout à fait normal. Bon, bah moi, je crois que je vais y aller, là. Attends, vous deviez pas aller vous balader tous les deux, ou un truc comme ça? Lou, faut que tu réagisses. Tristan s'en va sans toi. Quoi? Mais il est venu dans la chambre? Bah, oui. Il a compris que j'étais dans la malle? Bah, oui. Bon, ok, Tristan a vu tes fesses quand tu étais bébé. Et alors? C'est pas grave, c'est même plutôt mignon. L'eczéma, c'est pas mignon. En plus, il a découvert que je suis une dingue qui s'enferme dans une malle au moindre petit souci. Bah, tu sais, à la télé, on en voit tous les jours des gens un peu zinzin. Il peut comprendre. Ouais, t'as raison. Déjà, je pourrais lui expliquer que j'ai plus de boutons. Et pour la malle, je pourrais lui dire que c'est une habitude bizarre, mais que j'essaye de me soigner. Et si tu en profitais pour arrêter vraiment? Arrêter la malle de la honte, carrément? Ben ouais, je pourrais essayer. Tiens, dis-moi, on dirait pas ta malle, là? Hein? Oh. Mais... Si! Hé, arrêtez! Il se fait la malle! Oui, ben maintenant, va falloir que tu t'en passes d'un seul coup. Non! Un type a emporté la malle! Déjà? Ça a pas traîné? Tant mieux. Regarde, j'ai retrouvé mon vieux polar. Comment ça, tant mieux? Tu veux dire que tu l'as volontairement bazardé? Notre malle? Ah oui, après ce qui s'est passé avec Tristan, je me suis dit que c'était le bon moment pour s'en débarrasser. T'es pas d'accord? Non! Mais ça va pas, t'es dingue ou quoi? Je voulais essayer mon flash. Ah zut, raté. C'est normal, toutes les photos de moi sont ratées, ça doit être une malédiction, il y a toujours un truc qui cloche. Je ne crois pas aux malédictions, je crois à la technique, moi, monsieur. Je te parie un resto que je peux réussir une bonne photo de toi. Ouais, une bonne photo ratée. Bon, sois objective. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial cette malle à part que tu te cachais dedans? Objectivement, rien et tout à la fois, elle a toujours été là. C'est comme un ami d'enfance qui s'en va. C'est comme si j'avais perdu mon doudou, quoi. Je te comprends. Moi aussi, j'ai perdu mon ami d'enfance. Ah oui? C'était un vieux réveil matin. Je l'aimais bien, il faisait tic-tac, tic-tac, ouais. Ça me rassurait la nuit. C'était bien. Mais un soir, ma mère a décidé de le jeter. Hein? Pourquoi? Parce qu'il retardait. Je suis désolée, ma grande. Tu sais quoi? Ça ne sert à rien de se morfondre. Il faut que tu passes le cap et je suis là pour t'aider. Hein? Allez, on y va? Ça changera quelque chose si je te dis que ça ne changera rien. Ça va être parfait. Allez, un petit sourire. Encore. Mais pourquoi tu te crispes? On dirait que t'as mangé du ciment. C'est comme ça à chaque fois que je vois un appareil photo, c'est plus fort que moi. On va changer de méthode. Tu vas dire oui, Titi. Oui, Titi? Oui, enfin, si ça te plaît pas, essaye avec un autre singe. Babouin. Je te l'avais dit, c'est une malédiction. Ils sont frais, mes poissons empaillés, ils sont frais! Véritable lingot plaqué or! C'est ça, ton idée pour surmonter ma peine? Une brocante? Mais oui, tu vas te trouver un nouveau doudou. Moi, par exemple, j'ai remplacé mon réveil matin par Jean-Pascal. Tu l'as trouvé dans une brocante? Ça explique sa drôle d'odeur. Mort de rire.
Bref, t'as qu'à choisir un objet dans toute sa vieillerie et hop, le tour est joué. Une affaire, mais... Mina, ça ne marche pas comme ça. Essaie, tu n'as rien à perdre. Sœur, frôleur, franche à voile, patin à roulette, tout pour vous déplacer sans dépenser un centime d'essence. Profitez-en. Produit de Sibérie, garanti, sans radioactivité. Offrez du bon et du beau, offrez des fleurs en sucre. Regarde, hein? Là, je le reconnais, c'est le chauffeur de la camionnette. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Si tu ne sais pas à quel moment je prends la photo, tu auras forcément l'air naturel. Détends-toi, fais comme si je n'étais pas là. Oublie l'appareil, laisse-toi aller. Comment veux-tu que je l'oublie? T'arrêtes pas de me tourner autour. J'ai une idée. Tu avances normalement le long de l'allée et moi je vais prendre la photo au moment où tu t'y attendras le moins, ok? Bon sang, pourquoi t'as crié? J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai plus de pellicule. On dirait que je viens de gagner un resto, non? Minute, papillon. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Viens avec moi. Je ne l'ai pas volée, t'as mal. Elle était sur mon trottoir, ok? Et vous l'avez ramassée, je vous ai vu. Elle était sur la voie publique. Si tu voulais la garder, il fallait pas l'acheter. Je ne l'ai jamais jetée. Quoi? Du calme, le problème n'est pas là. Où est-ce qu'elle est, cette malle, maintenant? Je l'ai vendue à un vieux type bizarre. Il était content. Ça faisait 30 ans qu'il cherchait une malle comme ça. Et vous connaissez son nom? Oh, ben non. Désolé. Oh, c'est fichu. Je la reverrai jamais. Si tu veux une malle, je peux t'en proposer une autre et en meilleur état. Alors? Vous n'auriez pas la taille au-dessus? Bon, là, il n'y a personne derrière l'objectif, hein? Du coup, tu n'as aucune raison d'être crispé. Mais alors, ça marche pas? C'est malin, t'as tout gâché. Et en plus, pour une fois, j'étais bien. T'as tout fichu en l'air avec ta face d'huître. Merci, sympa. J'ai peut-être une face d'huître, mais toi, tu es aussi photogénique qu'un plat de nouilles. Ça suffit, assez joué. Primo, je ne suis pas top modèle. Et secondo, j'ai autre chose à faire. Alors, ciao! Salut. Ben alors, les filles, vous en faites une tête? J'ai perdu mon doudou. Un nounours? Non, une malle. Une malle? Ah, ben ça c'est cocasse. L'ancien vient d'en ramener une chez lui, et il n'y a pas une heure. Il a fait un raffut de tous les diables en la montant. Oh. Effectivement, je viens de l'acheter à la brocante. C'est la mienne. J'avais aucune envie de m'en débarrasser. Il faut me la rendre. Bien. Et comme disait mon ami James Lowell à Houston, on a un problème. Les choses sont appelées à évoluer. C'est une des 12 vérités de l'univers et c'était le destin de cette malle depuis 30 ans. Quand vous dites évoluer, vous voulez dire désintégrer? Non. Évoluer veut dire renaître sous une forme plus adaptée. Quelle forme? Impossible à prévoir, mais tu me remercieras lorsque les Lémuriens seront repoussés dans les ténèbres extérieures du Yog-Sothoth. Hey, vous prenez des photos de tous les habitants de l'immeuble? Affirmatif, depuis 1865. L'immeuble n'était pas encore construit? Si, enfin... Pas dans notre dimension, bien entendu. Ah bon? Comment tu te sens? Ben, en fait, ça va. C'est bizarre, mais je me sens comme... libérée, quoi. Ben alors, c'est le moment. De quoi? De dire à Tristan que t'as passé le cap, que tu n'as plus besoin de mal, ni rien. Je sais que tu penses que je suis ridicule, mais c'est fini tout ça. Je n'ai plus honte de me cacher, la malle a disparu et c'est pas grave si tu as vu ma photo. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as devant toi une nouvelle loupe. Voilà. Super.
Tu veux entrer? Au fait, t'as vu? J'ai acheté les Solus de Golden Sun. Hé, c'est qui ce petit garçon tout nu assis sur son pot? Tristan, non mais... Merci. Je voulais m'excuser, j'étais énervé tout à l'heure. Tu n'as pas du tout une face d'huître et je veux bien encore poser pour toi, si t'en as envie. Pas la peine. Regarde. Waouh, je suis super bien là-dessus. Comment t'as... C'est un secret. Au fait, pourquoi tu voulais me prendre en photo? Bah, comme tu vois, j'adore avoir des photos des gens que j'aime. Enfin, que j'aime bien, quoi. Elle est rigolote, celle-là. C'est toi, Lou? Là? Non, je me suis jamais déguisée en kangourou rose. Non, je t'en prie. Sors de derrière ce rideau. Allez! Non, plus jamais! Avec Richard. Et Tristan passe ses vacances dans une station juste à côté de la nôtre. Du coup, on prend le même train et ça, c'est hyper chouette. Bon, ce qui est moins chouette, c'est qu'avant de partir, on doit attraper la flaque. Enfin, un chat choumou. Ou Mongo Elvis, quoi. Ou tir au flanc, si vous préférez. Enfin bref, on a un fauve à mettre en cage. Heureusement, on a tout prévu. Alors, Richard? Notre taxi est arrivé. On descend. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une histoire de pot de fleurs. Bon, on a 10 minutes pour arriver à la gare. Quoi? Tristan doit déjà m'attendre. Si je rate ce train, je préfère que mon âme se consume dans le magma du désespoir et que mes cendres se perdent au milieu de la poussière noire de l'oubli éternel. Pas de panique, ma louloute. 10 minutes, on est large. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce train couchette. Il desservira les gares de Charogne, Boulivache, Montréal-les-Ballots, Saint-Léon-des-Bois, Morninges, Mignon-Val-des-Nazes et Sellières-Superchevelle. Allez, ma louloute, fais pas la tête, quoi. Le train de nuit, c'est sympa aussi, non? Pour toi, évidemment, tu vas passer une nuit de rêve avec Richard. Bon, je vais téléphoner à Tristan. Ensuite, je pourrai déprimer jusqu'à notre arrivée à Superchevelle. L'amour! Oh.
Allô, Tristan, c'est Lou, j'ai un truc à te dire. Moi aussi, figure-toi que j'ai loupé notre train. Non. Ben si, à cause d'une histoire de pot de fleurs. Tu devineras jamais où je suis. Dans un train couchette qui va à 2 à l'heure. Comment t'as deviné? Je te raconterai. Quoi, tu y es toi aussi? Oui, on se retrouve. Bah oui, je suis dans un wagon de tête, je remonte le train à ta rencontre. Allez la flaque, tu as bien mérité de faire un petit tour. Oula. Non, qu'est-ce que... On dirait qu'il t'adore. Il est pas Mimi, ce chat? Mimi? Avec ses dents pointues et ses griffes acérées? T'aurais pas un problème avec les chats, toi? Ben, c'est juste que... Comment dire? Je les déteste, quoi. Moi aussi, je les détestais. Avant de rencontrer Chachoumou. Je croyais qu'il s'appelait la flaque. Bah, en fait, il n'a pas de vrai nom. Mais tu vas voir, après une nuit passée ensemble, vous serez les meilleurs amis du monde. Oh, oh. Billet, s'il vous plaît. Chachoumou. Ne me dis pas que je vais devoir courir après mon futur meilleur ami. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Tu veux pas le redire encore une fois? Ça me donne des frissons partout. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Oui. Là, on va se retrouver et ensuite, je vais vivre le voyage le plus romantique depuis le naufrage du Titanic. Jeune homme, vous tombez à pic. Vous savez vous servir de vos pouces? Tu vois, la montagne te porte chance. La montagne, c'est magique. Tâche de ne pas faire un truc à la loupe, genre croiser Tristan sans le voir. Oh, t'exagères, toi. Comment peut-on se rater dans un train? Allez, ciao. C'est ce bouton pour avancer et celui-là pour donner des coups de pied. Non, pas celui-là. Et voilà, vous avez pris une enclume sur la tête. Oh, ils sont agaçants, ces petits personnages. Oh, zut. Bon, on refait une partie, hein? Je sens que ça vient. Désolé, mais il faut que j'y aille. Minou, chérie. Minou, Minou, Minou. Bonsoir, madame. Tout va bien? Aïe. Tristan, salut. Dis, t'aurais pas vu mon chat par hasard? Il est comment? Ben, il a des pattes, une tête et une queue. Non, désolé. Et vous, vous auriez pas vu Lou par hasard? Non. Bon, ben, merci quand même. Mais elle ne doit pas être bien loin. Oh non, j'y crois pas, je l'ai raté. Mina va encore se moquer de moi. Lou! Solène! Chachou machin. Mongolo, sac à puce ou... Sac à puce. Mesdames, messieurs, nous arrivons en gare de Charogne. Charogne, 2 minutes d'arrêt. Oh, bon sang, mais il est où cette espèce de... Oh! Allez, le chat, viens. Minou, Minou, Minou. Il paraît que la prof de gym s'est dû refaire les paupières. Du coup, elle peut plus cligner des yeux sans que ça fasse remonter ses oreilles, tu te rends compte? Dingue. Dis, tu descends pas à Charogne par hasard? Non, je vais à Morninges. On a toute la nuit pour papoter. Génial, hein? Génial. Minou, Minou, Minou. Je t'ai eu. Attention, 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 débat. Richard? Richard, tu as le chat? Oui. Oui, mais il y a un petit imprévu. Je vais t'expliquer. Au fait, tu sais qui part au ski aussi? Tristan. Non. Si, comme je te le dis, si ça se trouve, il est dans ce train lui aussi. Alors là, ça m'étonnerait. T'imagines le voyage de rêve, une nuit entière avec Tristan? C'est qui? Personne. Lou? Ben, c'est Tristan. On a dû se rater. Alors, je retourne dans mon compartiment. À plus. Alors, je vais essayer de rattraper le train à voler vache. Oui, le chat va bien. À plus. Oui, à 25 ans, mon tracteur, mais il tire encore bien, hein? Oui. Il va
va pas plus vite que ça. Non, bah si, attendez que je passe la seconde. Accrochez-vous. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Je te trouve vachement secrète comme fille. C'est vrai, quoi? Tu racontes jamais rien sur toi. Vite! Par ici, dépêche! Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. En fait, je voulais te confier un super secret, justement. Un secret? C'est quoi? Allez, dis-moi, c'est quoi? C'est que... ben voilà, mon dessert préféré, c'est l'éclair au chocolat. Tu me prends pour une nouille? Mais pas du tout. C'est ça. Tu sais quoi? Ton super secret, il me donne envie de dormir. Bon, les vaches, 2 minutes d'arrêt. Waouh, mais tu vas dire, je vais faire des saletés de chiennerie. Cousine, t'es où? Bah, il y a encore un petit imprévu, à mon avis. Je vais plutôt vous rejoindre demain matin, à la gare de Morninge. Bonne nuit. Ok. Ben, à demain, alors. Bonne nuit. Hé, Tristan, c'est moi. T'es où? Bah, je vais me coucher. Désolé, mais je suis crevé, là. Et puis, je veux être en forme pour attaquer le ski dès demain. Je comprends. Bon, ben, bonne nuit, alors. Alors, ma louloute? T'es pas avec Tristan? Non. Il est... c'est compliqué. Et Richard, qu'est-ce qu'il fait? Il est... c'est compliqué aussi. Tu parles d'une nuit de rêve. Comme tu dis. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Exprès. Les premières voitures vont à Pignon-Val-des-Nazes, les dernières vont à Sellières-Super-Chevel. Et là, ben, c'est pile la séparation. Quoi? Mais... Tristan... Le chat? Mais alors... Hé! Richard! Tout va bien? Nickel, t'avais raison. Maintenant, lui et moi, on est les meilleurs amis du monde. Tristan? Dis, tu vois ce que je vois? Oui. C'est beau, hein? Moi, ça me donne la pêche d'un seul coup. Tu m'étonnes, moi aussi. C'est peut-être vrai, alors? Quoi? Que la montagne, c'est magique.
Ma louloute, tu peux m'expliquer ce que c'est, ça? Ben, une lettre. Exactement. Une lettre du directeur du collège. Il m'écrit que ton prof de gym ne sait même pas à quoi tu ressembles. C'est vrai, je sèche tous ses cours. Mais faut me comprendre, hein. Je supporte pas, petit 1, les survêtements qui me donnent un style de rappeur immonde, et 2, les vestiaires de gymnase qui sentent le sanglier. Désolée, mais tes arguments ne tiennent pas la route, comparé aux bienfaits que procure une saine pratique d'activité physique et sportive. T'aurais pas lu ça sur le paquet de Krusty Choc? Où tu vas chercher des idées pareilles? Avertissement. Mangez les Krusty Choc avec modération et n'oubliez pas qu'une saine pratique d'activité physique et sportive est bonne pour votre santé. C'est super important de se bouger. Mens sana in corpore sano, comme a dit Juvénal, un esprit sain dans un corps sain. Bah, ton Juvénal, il a jamais dû mettre les pieds dans un gymnase. Écoute, je te propose un arrangement. On se fait une partie de Dario et Tonic au JO. Si tu gagnes, je t'écris un mot d'excuse pour t'exempter de sport jusqu'à la fin de l'année. Si tu perds, tu devras retourner en cours de gym. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, je relève le défi, mais à une condition. Je t'écoute. Plutôt que de se mesurer à un jeu vidéo, je propose qu'on s'affronte dans la vraie vie en faisant une vraie course. Hein? Qu'est-ce que tu dirais d'un tour complet du parc dans une semaine? Ça te va? Comme ça, toi aussi, tu pourras profiter des bienfaits que procure une saine pratique d'activité physique et sportive. Ok. C'est bon, marche est conclue. Un tour complet du parc dans une semaine. Salut la flaque. Le saviez-vous? Laurent Houtan est capable de dévorer 850 kg de crottes de nez au cours de sa vie. Quant au crocodile de Patagonie, il est capable d'ingurgiter 75 orang-outans en un mois. Bah, c'est quoi ces fringues? Heureusement, il n'y a jamais eu de... Ma tenue de sport, je vais m'entraîner au parc. À 7h du matin? Qu'est-ce que tu crois? Je tiens à la gagner, cette course. D'autant plus que l'avenir sportif de ma fille en dépend. Et tu crois vraiment que tu vas battre ta mère? Évidemment que je vais la battre. Bon, ok, je suis pas allée en gym depuis des mois. Je suis pas super entraînée et j'ai sans doute un peu perdu. Mais bon, c'est qu'un petit footing de rien du tout. Et puis tu sais, la seule partie qui est musclée chez ma mère, c'est ses pouces. C'est pas la peine de faire un petit bilan en forme physique alors? Non, pas la peine. Bon, peut-être que si après tout. Mais c'est juste histoire d'être sûre à 100% parce que franchement, là, je me sens au top, hein. Alors, tu veux quelle version? Diplomatique ou vérité vraie? Mais pas la peine de prendre les gants, dis-moi tout. Comme tu voudras. Alors, souplesse, 0. Tonus, 0. Endurance, 0. En fait, tu peux gagner si tu cours contre un escargot fatigué. Mais si tu veux, je peux t'entraîner. Je suis un super coach. T'es chouette. Ben, je veux bien. Génial. Alors, conseil numéro 1, ne jamais avouer ses faiblesses à son adversaire. Tu rentres bien tard. C'est que moi aussi, j'ai commencé à m'entraîner. Ah, et ça s'est bien passé? Impeccable. Je suis en pleine forme. Et toi? Impeccable. Le secret de la longévité, Boubou, ne jamais faire de sport. Je me suis jamais sentie aussi bien. Super. Je vais faire mes devoirs. Oh. Aïe, quelle galère. On y va, on y croit, on y va, on y croit, on y va, on y croit. Bah, tu vois, ce n'est qu'une question d'habitude. Ouais. Ça va? Vraiment? Mieux? T'es une super
tronçonneuse. À ce rythme, tu vas battre ta mère les doigts dans le nez. Hé, oh. Hey, maman. Je savais pas que t'avais un coach. Ben si, chacun le sien. Depuis que je l'entraîne, elle a fait des progrès extraordinaires. Ah oui? Vraiment? Oui, vraiment. Bon ben, à plus tard. C'est ça, à plus tard. On y va, on y croit, on y va, on y croit. Si ma mère s'occupe de ta mère, ça change tout. Ah oui? Maintenant, va falloir mettre les bouchées doubles. Les bouchées doubles? À vos marques, prêts, jeu! Vous connaissez le baron Pierre de Coubertin? Mais si, c'est le type qui a ressuscité les Jeux Olympiques, là. Bon, bah, il aurait dit quelque chose du genre « L'important, c'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Franchement, en temps normal, je suis assez d'accord avec lui. Mais, comme Marcel Proust a dit, dans la vie, ma petite cocotte, il y a des circonstances où il faut savoir changer d'avis. Bon, c'est peut-être pas Marcel Proust qui a dit ça, c'est peut-être Gandhi. Ou bien, Monsieur Verdier. Bon, je sais plus. Bref, face à ma mère et motivée par ma haine profonde des vestiaires qui sentent le chien mouillé et le sanglier, j'ai décidé plutôt de suivre la doctrine de John McEnroe. Seule la victoire est belle, entraîne-toi dur et laisse parler ta raquette. C'est vrai, ça. À quoi ça sert de s'entraîner comme une folle si c'est pas pour gagner, hein? T'as laissé tomber les croustichocs? Oui, trop mauvais pour la santé. Je me suis mise à la nourriture saine. Tofu, pousse d'alfalfa, protéines de soja, pour pied et pour finir un bon jus de radis noir. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Pousse d'alfalfa, protéines de soja, pour pied, tofu et jus de radis noir. Oh. Je me sens en super forme aujourd'hui. C'est drôle, moi aussi. Tiens, je pourrais escalader l'Everest. C'est marrant, moi pareil, et sans corde en plus. Moi sans les mains. Et moi sans les mains et sans les pieds. Ben moi sans... Ça suffit, rendez-vous au parc dans une heure. J'y serai la première. La première après moi. Je rappelle les règles d'usage. Après un tour, un seul du parc, la première qui aura franchi la ligne d'arrivée sera déclarée vainqueur. Les croche-pieds, coups d'épaule et autres coups fourrés sont strictement interdits. Maintenant, place au sport et que la meilleure gagne. Monsieur Verdier, qui est neutre comme la Suisse, donnera le top du départ. Oui, bon, ben rapidement parce que je n'ai pas que ça à faire. Il faut absolument que j'aille acheter le programme télé pour ne pas rater la clinique de la Forêt Vierge. Ensuite... Ok, merci, on fait vite. Mais attention! À vos marques! 3, 2, 1. Ah oui, génial, on a gagné. Ça
Le médecin vient juste de partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Double claquage des adducteurs plus un lumbago qu'il a qualifié lui-même de spectaculaire. Aïe. Ah oui, et puis comme un malheur n'arrive jamais seul, en plus il m'a dit que j'ai... Allô? Mince, plus de batterie. Tiens, ton mot d'excuse. Tu avais raison. À quel sujet? Sur le sport, c'est pas bon pour la santé. Mais alors, pas bon du tout. Monsieur le directeur, ma fille souffrant d'une maladie génétique héréditaire très rare, je vous prierai de bien vouloir la dispenser de sport jusqu'à la fin de sa scolarité. Waouh, c'est génial! Du coup, tu viens pas en gym ce matin? Cool! En fait, je crois que je vais y aller. Hein? Bah oui, finalement, tout cet entraînement, ça m'a pas déplu. Et l'odeur de sanglier crevé dans les vestiaires alors? C'est pas grave, ça, je me changerai ailleurs. Et les survêtements immondes? Mais j'ai ma super tenue maintenant. Ah, tu vas enfin reprendre la saine pratique des activités physiques et sportives. Ah tiens, toi aussi tu manges des croustilles chocs. J'adore. Pas que t'es en bas de chez moi, que je suis encore en retard. Je suis en bas de chez toi et t'es encore en retard. Bon ben, donne-moi 5 petites minutes, j'arrive. 5 minutes, pas une de plus. Alors, qu'est-ce que devient la princesse Carolane? Ah, t'es pas au courant? Bah non, malheureusement, j'ai pas eu l'autorisation de regarder la télé hier soir. Tu vas halluciner! Elle se jette dans le volcan en fusion en chantant à Diego qu'elle l'aimera jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est vraiment romantique. Mina! Bah alors, t'aurais pu m'attendre, non? Quoi t'attendre? Je fais que ça, figure-toi. Depuis le début de l'année, je t'ai attendu 342 minutes en bas de chez toi, ok? Hey, c'est pas une raison pour pas répondre au téléphone, je voulais m'excuser. Peut-être, mais moi j'en ai plus qu'assez. J'avais pas envie de te parler. Ah ouais? Ouais, et d'ailleurs là, j'ai plus envie de te parler du tout, ni en vrai, ni au téléphone. Tiens, c'est nouveau ça, plus jamais? Non, plus jamais, c'est clair? Tu parles? C'est impossible, tu pourras pas tenir. Je suis prête à parier que tu vas m'appeler dans les 2 heures pour papoter. Hein? Je suis pas du genre à craquer. Dans 2 heures, c'est toi qui laisseras des messages sur mon portable en me suppliant de te rappeler. C'est ce qu'on verra. Bonjour. Dans ce mercredi, nous allons parler de la guerre froide. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Capitaine, il est de mon devoir de vous informer que les huguelons de la planète Horde m'ont inoculé un virus qui me pousse à raconter systématiquement n'importe quoi. Parfait, sergent Pock, mais il est de mon devoir de vous informer à mon tour que je ne suis que le balayeur de ce sous-marin nucléaire. En tant que balayeur, il est de mon devoir... Ah?
il semble que... Sergent Hoppock, il est de mon... Ah, tu es rentré. Ça va? Lou? Coucou, tout va bien? Tout va très bien. Juste un truc, je veux plus jamais parler à Mina. Tu as vu Mina? Ils ont enfin sorti le fameux téléphone portable qui fait en même temps PDA et GPS. Avec ça, tu pourras organiser ton planning tout en sachant au centimètre près où tu te trouves sur la planète. Tu peux le passer à la broyeuse, ton fichu catalogue. Regarde les photos au moins, elles sont superbes. Je n'ai plus besoin de ton portable, terminé. Mina, tu comptes déprimer combien de temps? 10 minutes? 20 minutes? Je ne voudrais pas que le dîner soit trop cuit. Je ne déprime pas. Bon, ok. Je crois que je vais plutôt commander des sushis. Oh, et puis, c'est vrai, mince. Après tout, j'ai pas besoin de l'appeler tout le temps comme ça pour lui raconter tout ce que je fais, hein. Ça, c'est vraiment dingue. Elle m'a pas encore appelé. En plus, là, je fais rien du tout. Et elle, tu crois qu'elle fait quoi, là, par exemple? Si ça se trouve, elle fait rien du tout non plus. N'empêche, elle pourrait quand même m'appeler pour me le dire. T'y crois, toi? Yes! Numéro masqué? Allô? Mina chérie, c'est moi. Je vais commander des sushis. Tu veux des makis California ou des brochettes? Allô? Allô? Ou des sashimi si tu préfères. Tiens, tu souris maintenant. T'as un service à me demander? Moi? Oh... Oui! Est-ce que tu peux appeler la mère de Lou, histoire de savoir ce que fait mon ex-copine? Capitaine, en tant que balayeur, il est de mon devoir de vous démettre de vos fonctions, car un, on ne peut décemment pas confier le commandement d'un submersible truffé d'armes tactiques à un type qui croit aux uglons. Maman, tu pourrais appeler Joss pour... Allô? Oui, bonjour, c'est Joss. Joss, quelle surprise! Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Bah, pas trop mal. Bien, et... et Lou? Ça va aussi. Enfin, je crois, oui. Et Mina? Et Mina, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Bon. Et ton mari? Comment... Ah oui, Robert. Robert? À vrai dire, la dernière fois que je l'ai vu, c'était... mardi matin à 10h15. Et il travaille beaucoup, c'est ça? Oh, je m'en fiche du Robert. Demande-lui ce que fait Mina. Demande-lui ce que fait Lou, bon sang. Il travaille énormément, oui. Et comme nous n'avons pas les mêmes horaires, on ne se parle plus. On ne fait que se croiser. En fait, vous vivez ensemble, mais pas dans le même espace-temps. Et Mina, alors? Eh, n'oublie pas Lou. Maman! Tu vois pas que je suis au téléphone? Bon, j'ai compris, je laisse tomber. Je vais promener Jean-Pascal. Ok, d'accord, je vois le genre. Je crois que je vais aller faire une petite balade, moi. J'ai vraiment besoin de prendre l'air. Maman, c'est encore toi? Oh, mais non, mon roudoudou, tu ne me déranges jamais. Ah oui, moi aussi tu me manques, je t'embrasse. Allez, bisous, 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 bisous. Attends, je dois te laisser, j'ai un double appel. D'accord, mes bichettes, je te rappelle tout à l'heure. Oh, mon adoré, c'est bon, on peut se parler. Absolument que je sache ce qui s'est passé. Ah, non. Elle serait trop contente. Faut que je raconte ça à Mina. Yes. Oh, oh, c'est que j'ai failli craquer, moi. Ça lui ferait trop plaisir. Non. Oh, après tout, tant pis. Je dois savoir. Stop. Mina, t'es une fille forte. Range ça dans ta poche et n'y pense plus. Ça va?
Tu m'étonnes, tu parles que ça va. Tu sais pas ce qui vient de m'arriver? Ne me dis rien, laisse-moi deviner. T'as vu la pub pour les super promos aux galeries, c'est ça, hein? Un truc comme ça, franchement, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Viens, on y va ensemble, ça ferme dans 2 heures. Ok, désolée, j'ai pas le temps en fait. À plus. Hey Gino. Ciao mia cara. Gino, il vient de m'arriver un truc carrément transcendant. Ah si. Ouais, imagine, j'étais là dans la rue comme une pauvresse à ruminer et tout d'un coup, paf, le voilà. Non. Si. Oh, il était beau comme Rimbaud et il s'est approché. Non. Si. Et quand il s'est retrouvé devant moi, j'ai senti ses bonnes ondes m'envahir. Tu vois le genre de feeling dont je te parle? Non. Et alors j'ai compris que c'était un vrai juglon de la planète Oort. Non. Ok, t'écoutes rien du tout de ce que je te dis en fait. Ah si. Mais c'est compliqué de faire 2 choses en même temps, non? Si. Lou, j'ai... Et dis donc, ma pizza, Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Ça vient, signore Verdier. Presto subito! Ciao, Mina. Va bene? Ciao, Gino. Dis-moi, Lou serait pas venu te raconter un truc, là? Bah si. Un truc super important. Si, importantissimo. Super. C'est quoi? Raconte. Ma, elle a ruminé des bonnes ondes de Rimbaud et alors, il s'est approché des zouglons. Enfin, je crois. Il faut que tu arrives à goupiller des petits moments sympas, rien que Robert et toi, tu vois? Tu veux dire aller au restaurant, par exemple, rien que lui et moi sans les collègues? Bah oui, ce serait cool, non? Oui, pourquoi pas. Faut que je vois si c'est compatible avec nos agendas. Absolument que je te raconte, hier il m'est arrivé un truc trop dingue, je peux pas te dire. Ah, bah ne me dis pas alors. J'ai croisé Tristan, t'imagines? Non, raconte. Allez. C'était trop ultra romantique. Il m'a dit, fais gaffe, il y a ton portable qui est tombé par terre. Alors moi j'ai répondu, j'ai rien répondu du tout, j'ai bafouillé un truc incompréhensible. Non. Si. Ensuite il m'a aidé à le ramasser et il m'a dit bye bye. C'est génial, absolument génial. C'était trop super chouette. Tu m'étonnes. Ce qui est trop super moins chouette, c'est nos mères. Ah, ça c'est vrai, elles ont passé la nuit au téléphone. Elles vont devenir accro, hein. C'est grave quand même d'en arriver là. Ouais, grave. Ouais. Ça va pas? Lou? Tout va bien? J'écris une pièce de théâtre pour l'école. Je peux peut-être t'aider. Ça parle de quoi? En fait, il faut exprimer son doute et ses interrogations sur l'avenir. Et là, j'ai un gros doute sur un mot. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, a dit le poète. Et surtout, ne pas s'énerver. Il a raison, fais-moi confiance.
Ouais. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Oh, j'y arriverai jamais. Souviens-toi de ce qu'a dit le poète, maman. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et surtout, ne pas s'énerver. Il a raison, tu peux me faire confiance. Sidera lui répondit. Vous savez, Fulgor, quand on combat les puissances maléfiques, il faut s'armer de patience. J'y vais. Souhaite-moi bonne chance pour ma pièce. Bonne sieste pour ta panse. Viens là, machin. Mon roman. Regarde, ça y est, je l'ai fini. Youhou! J'ai fait un collage avec les photos de mes acteurs préférés. Voici mon prince charmant. Il est trop beau! Oui. Oh. Merci, Solène. À qui le tour? Hippopotame, le sage dit culotte. Comment dites-vous? Le ciel est taché de sang, où est-il? Mes ongles se détachent, la mer est démontée. Oh, je meurs et je revis. Le sage dit culotte. Ne te laisse pas miner, elles n'ont rien compris. Moi, je l'ai trouvé genre existentielle, ta pièce, originale, provoque et tout, j'ai adoré. Ah ouais? Et ça parle de quoi pour toi? Ben, je sais pas, mais c'est ça le grand art. On comprend rien, mais c'est génial. Je suis sûre que la prof, elle a Lou adoré. C'est pour ta mère. Tu me la rapporteras signée. D'accord. Ça, c'est pas bon signe. Les grands artistes sont souvent des incompris. Surprise, surprise! Vous faites quoi? Mon roman, je l'ai terminé. Il ne reste plus qu'à envoyer le dernier chapitre à l'éditeur. On va faire ça toutes les deux. À trois, on appuie sur la touche envoie. Un, deux, trois! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Piu! C'est dans le tuyau! Ben, c'est quoi cette tête tristounette? C'est ta pièce, hein? C'est ça? Je sais pas, mais tiens, ma prof m'a donné ça pour toi. Eh ben, ma nounoute! Ne dramatise pas, je suis sûre qu'elle te couvre de louanges, qu'elle trouve que tu es un écrivain accompli. Comme ta mère, quoi. Un psy? Comment dire? Il semble que ta pièce l'ait impressionnée. Et elle veut être sûre que tu vas bien. Oh, maman, tu vas pas m'envoyer chez un psy quand même. Soyez sans crainte, bel enfant. Nous allons résoudre votre petit problème. Ce n'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est dingue. Ça peut t'aider à résoudre tes problèmes. Et puis tu sais, parfois, ça peut faire beaucoup de bien de se confier à quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de me confier, j'ai pas de problème. Franchement, tu me trouves bizarre. Bah oui, de temps en temps. Par exemple, ça fait 2 semaines que t'écoutes ce morceau. Un peu de piano avec votre salade. Je vois pas où est le mal, hein. Ça me détend. Tant mieux. C'est un peu étonnant pour une fille de ton âge. Je voudrais l'avis d'un pro pour être sûre que tout va bien. Allez, on l'appelle ensemble. Lou! Allô, docteur Finkerstein? C'est pas la mort et ça peut résoudre des angoisses. Regarde ma mère, elle voit son psy toutes les semaines et... Bon, Mina, je reviens du cours de cardio-funk. Je file direct au bureau. Si ton père appelle, tu lui diras que je n'ai rien à lui reprocher fondamentalement, mais qu'il faut que je me reconstruise en tant que femme. Ah tiens, tu es là, Lou. Bon sang, je file. J'ai 4 minutes 30 de retard sur mon planning. Ouais, bon, d'accord. Il faut que j'arrive à prouver à ma mère que je vais bien, que je suis normale. Mais ça ressemble à quoi, une fille normale? Pour ça, je peux t'aider, Lou. Mais il va falloir être courageuse. Hmm?
Gretzel Blondilla. Hein? Et... Non, en fait, c'est mon pseudonyme. Mon nom de plume, quoi. C'est ça. Vous êtes sûre que Monsieur Demantin a bien reçu mon mail? Je suis juste étonnée qu'il ne m'ait pas rappelé. Il attendait vraiment le dernier chapitre et... Oui, entendu. Il faut être patiente. Ouais, j'aimerais bien t'y voir, moi. Bonjour, maman. Salut. Maman, j'ai pas le temps, là. T'as raccroché au nez de mamie? Mon éditeur doit m'appeler d'un instant à l'autre et c'est hyper important. Il va me dire s'il a aimé le dernier chapitre et s'il publie mon roman, mais... Mais c'est quoi cette tenue? Tu aimes? Oui. Non, j'ai pas d'assurance vie. Non, pas le temps. Après l'école, je suis allée faire du shopping. Ah bon? Tu fais du lèche-vitrine, maintenant? Bah oui, toutes les filles aiment ça, hein. Et je t'ai rapporté un petit quelque chose. Hein? Waouh, ça te va super bien. Tu trouves? C'est pas un peu trop... Non, t'es super belle, je te jure. Hein? C'est peut-être mon éditeur qui vient m'annoncer la bonne nouvelle en personne. Richard. Je suis un peu inquiet pour Lou, elle est passée à la boutique et je l'ai trouvée bizarre. Alors, je me suis dit qu'une petite soirée pizza lui remonterait le moral. Tiens. Et toi, ça va? Mais oui, ça va. En fait, moi aussi, je me fais un peu de soucis pour Lou. T'as vu le tailleur qu'elle m'a acheté? Kevin, tu m'as tellement fait souffrir. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ah. Oh, Kevin. Ça te plaît, cette guimauve? De toute façon, toi, en dehors de tes films de SF, t'aimes rien. Et si on se réchauffait un bon petit morceau de pizza? C'est gras, ça donne des boutons et ça fait grossir. Allez, bonne nuit. Pas le temps de partir d'ici. Et ta saucisson ravioli. Et même si tout se souffle, ma croque dans ma tire. Maman, je suis normale. La musique, le film d'hier, mes nouveaux vêtements, tout ça, j'adore, j'adore, je suis normale. Là, je te jure, tu m'inquiètes. Je crois que ça va te faire vachement de bien de parler au docteur Finkelstein cet après-midi. Hein? Tu sais, Louloute, je crois que tu te fais une fausse image d'un rendez-vous chez un psy. C'est pas qu'un truc pour les folles hystériques qui... Je n'irai pas! Tu m'entends? Allô? Monsieur Demantin? Ah, enfin, je me demandais... Cet après-midi? Ben, oui. Alors, vous avez aimé le dernier chapitre? Oui, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Il a pas aimé. J'en mettrai ma main à couper. Il te l'a dit? Non, mais c'est évident. J'irai pas au rendez-vous. Maman, c'est ridicule. Tu sais pas ce qu'il va te dire. Tu as sûrement peur pour rien. Écoute. J'ai un marché à te proposer. Je vais chez le psy et toi, tu vas chez ton éditeur. Un papillon qui s'est fait grignoter le bout des ailes. Et toi, tu vois quoi? Entrez, s'il vous plaît. S'il croit m'impressionner... Tu es Lou, j'imagine. Bonjour, je suis le docteur Finkelstein. Tu es venu avec ton ami? Je te comprends, ça fait un peu peur, hein, les psys. Non, pas du tout. Je parie que tu pensais que j'étais un vieux barbu. Allez, entre. Comment vous dire ça? Ne vous fatiguez pas. Si vous croyez que je n'ai pas compris, je suis très sensible aux vibrations. Et tout dans votre attitude montre que ces derniers chapitres vous déplaît. Bon, très bien. Mais dans ce cas, pourquoi me faire venir, espèce de bourreau? Je comprends maintenant d'où vient la formidable fantaisie de votre roman. D'ailleurs, à ce sujet, pour la couverture, vous avez une préférence.
La couverture ? Écoutez, mademoiselle, je suis éditeur depuis plus de 45 ans. Pour vous dire que des manuscrits, j'en ai lu des paquets d'intéressants. Mais le vôtre possède en plus une folie. Et c'est ce côté complètement dingue et assumé qui, à mon avis, va faire de votre roman un des plus gros cartons du marché de l'édition, moyennant quelques corrections tout à fait mineures. Hé, hey, Lou, ça fait 10 minutes que tu ne dis rien. C'était comment ? Raconte ! Ça n'a rien à voir avec les fous, tu sais. En fait, tu parles, et tu comprends plein de trucs sur toi. Tiens, d'ailleurs, je suis sûre que ça t'aiderait en ce moment avec le divorce de tes parents. Non, mais ça va pas ! Allez voir un psy ! Jamais ! Et là, il m'a demandé pour la couverture de mon livre qui allait être genre le futur best-seller de la mort. C'est dingue. C'est bien ce que je me dis. En tout cas, c'est la classe, et Lou, elle n'est pas là. Si, si, elle se prépare. Pour fêter mon roman, elle a tenu absolument à faire un petit spectacle. Le spectacle va commencer. Qui suis-je ? Carambolage ! Mystère ! Éclosion interstellaire ! Saucisse ! Qui veut un chapeau d'angoisse ? Tu as déjà pensé à l'emmener voir un psy ? Bravo ! Bravo ! Merci.